je m'intéresse à l'impact qu'ont les technologies sur nos manières de penser, sur nos comportements. Aujourd'hui, la, la santé est l'un des, des lieux d'expression les plus spectaculaires de ces technologies. On parle de l'avènement de la santé connectée et de mon point de vue, je, je m'interroge, je me pose la question de savoir dans quelle mesure la santé que l'on associe au, au bien-vivre euh, va se trouver transformée du fait de, de ces technologies. Vous savez, pour les philosophes, l'éthique, c'est la réponse à la question comment bien vivre. Eh bien, aujourd'hui, la santé nous impose de nous interroger sur ce bien vivre. Si de plus en plus, la santé est conditionnée par euh, la multiplication d'objets intelligents ou de, de capteurs, euh, est-ce que... La relation que j'aurai avec mon médecin euh, ne va pas euh, de plus en plus se faire sur la base de données objectives et de moins en moins sur la base du dialogue que je peux encore avoir avec lui. Et qui euh, indique que la maladie, c'est aussi une affaire de symbole et une affaire de langage. Donc je crois que la journée que nous allons euh, réaliser le 12 septembre euh, à, à l'Odéon euh, va être l'occasion de, de, de susciter ce genre d'interrogation. Il s'agit que le public soit convaincu que nous faisons des, des, des choses fantastiques aujourd'hui en matière de santé, mais il ne faut pas que l'euphorie nous rende complètement aveugles et que nous ne nous transformions pas en, en, en machines, voire en, en animaux.